tous, c'est NS55, donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors déjà, début de vidéo, je sais pas si elle sort fin 2022, début 2023, mais au cas où, je vous souhaite à tous une très bonne année et une très bonne santé, parce qu'en fait, j'ai 15 jours de planning de vidéo et je sais pas quand elle sort. Donc, dans cette vidéo, on va parler motobécane, parce que vous savez que j'ai plein de mobilettes, et il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur un autre moteur, et donc je voulais remonter justement sur des mobilettes qui n'ont pas de moteur. Donc j'ai retrouvé, j'ai recommandé des pièces, là, je viens de les recevoir, et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je pense que je suis pas si mal. Bon, il y a eu une erreur dans la commande, je vais vous expliquer ça après, mais je pense que c'est bien. Donc déjà, ça, c'est les moteurs, c'est compliqué. La commande, donc là, je suis en train de regarder, j'ai commandé un piston neuf. Ça, j'y reviens après. J'ai commandé deux jeux de segments aussi. Donc là, j'en ai un, pas de bol, c'est pas les bons. Et là, j'ai ceux-là que je viens de monter sur le moteur de ma 79 ici. Et c'est nickel, ça marche nickel. J'ai plus qu'à le nettoyer, le remonter, ça devrait le faire. Donc ça, c'est les bons segments. Ceux-là, c'est pas les bons parce qu'en fait, je me suis planté là au niveau des... Ça doit s'appeler des jégos. Putain, il y a un vent dehors. Ça doit s'appeler des jégos, je crois, sur le latéral ou je sais plus quoi. Et je me suis planté de sens, pas de bol. Bon, c'est pas grave. Là, nous avons ça, c'était quoi? Oui, ça, c'était la pochette des segments. Là, j'ai commandé un petit bouchon de réservoir. Bon, c'est un bouchon à 3 balles, c'est juste parce que j'ai pas de bouchon sur la 68 que je vais vous présenter après. J'ai commandé deux cages de boîte à outils. Alors, des cages de boîte à outils avec leur fixation, avec leur vis. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas en noir, donc j'ai pris en blanc, il n'y avait plus en noir. Alors, je voudrais les comparer, on les montrera tout à l'heure. Je voudrais les comparer à ceux d'origine. Alors, j'en ai d'origine qui viennent de ma chaudron. Donc, ça, c'est ceux de ma chaudron. Et je voudrais voir comparer la qualité entre les deux, mais je crois que franchement là c'est vraiment pas mal. Donc j'ai commandé ça. J'ai commandé les joints de bas moteur qui vont ici. Parce que bah, forcément il y a trois remontées. J'ai aussi des joints de culasse, enfin les joints du haut là entre le cylindre et la culasse. Donc les joints de culasse, oui. Mais je sais pas, je les ai posés là-haut, je crois. Donc voilà. Donc là, maintenant ce que j'ai prévu. Ce moteur-là, le nettoyer, le remonter. Alors sa culasse et la culasse 79, je le reconnais grâce au pot d'échappement. Maintenant le moteur de la 68. Alors 68, c'est un peu comme une 88, donc je vous ai sorti le bouquin. Hein. Là, donc là, on a une AV 65, donc c'est exactement la même que j'ai en 68, avec un moteur cylindre et culasse ronde, sauf que la 68, elle possède le changement de vitesse mobilmatique, donc le changement de vitesse là, comme la 79, avec les bits d'eau, que la 65, elle possède plutôt un système comme ça. Alors le truc c'est que moi ma 68 elle est là-bas, je vais vous la montrer tout de suite après parce qu'on va les monter les carters de boîte à outils, les cages de boîte à outils. Je me souviens avec carter parce que j'ai un problème avec les carters, je vais vous expliquer ça après. Donc moi la 68 c'est une qu'on m'a donnée. Et le moteur, je pensais l'avoir là mais je l'ai pas là. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? Ça c'est quoi? Ça c'est la culasse de la 68, donc celle que je vais vous montrer tout de suite après, donc ça faut jamais de côté. Donc c'est une culasse, une ronde, exactement comme là. J'ai son cylindre, il est là. Alors j'ai essayé mon piston, parce qu'il manquait le piston avec les segments. Donc j'ai essayé le piston neuf, il va nickel, dans les deux c'est parfait. Le problème de ce cylindre, c'est que vous voyez que le pas de vis de l'échappement est mort. Alors ça doit se refaire, faut que je regarde, sinon je vous montrerai celui-là. Mais ça m'embête parce que forcément, bah voilà quoi, c'est un demi-rond quoi, c'est pas ça, c'est vachement mieux comme ça. C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Mais il me semble que j'en ai peut-être un deuxième qui traîne comme ça, faut que je regarde. Donc ça, on va aller regarder la 68 après. Maintenant, les carters. Les carters, ça c'est une question. Là, vous voyez, j'ai des carters de... Ça, c'est les carters de ma 88. C'est une que j'avais repeint parce qu'elle était toute rouillée. J'ai pas repeint avec la teinte d'origine, j'avais envie de changer. Alors, les carters, ils sont où? Les carters, parce que j'ai découvert qu'il y avait deux modèles. Il y a deux modèles de carters apparemment, et ça c'est très embêtant. Là, voilà. Donc ça c'est les carters de la 88, donc 59, je pense c'est les premiers carters qu'ils ont fait. Donc ça j'en ai deux, et c'est les mêmes carters que la 68 que je vais vous montrer tout de suite après. Le truc c'est qu'ils sont quasiment introuvables. J'en ai pas trouvé, même d'occasion, pour l'instant j'en ai pas trouvé. Là on a les carters de la 88, donc ça c'est la seconde génération je pense. Et ceux-là ils sont en vente en neuf, ça coûte une trentaine d'euros. Et ceux-là malheureusement ils ne vont pas, parce qu'ils sont plus longs. Et ça c'est embêtant. Donc moi, faut que je trouve deux carters comme ça pour monter, ou alors je prends ceux-là, la rigueur, je les reprends. Ouais, je sais pas, je verrai bien. Faut que j'en trouve deux. Et maintenant, il faut que je retrouve le bas moteur de celle-là, que je sais pas ce que j'en ai fait. Parce qu'en fait, je suis en train de ranger un peu le garage, et j'ai rangé les pièces de mobilette, mais je sais pas où. C'est embêtant. Ah, bonne question. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de monter... une cage de boîte à outils pour voir la gueule que ça donne sur la 68. Et en même temps, je vais vous la présenter parce que franchement, elle est belle. C'est une belle petite machine. Attendez, je vais prendre l'halogène. Je vous installe ça.
Donc allez, on va essayer de monter les cages de boîte à outils. Donc ça, si je suis à l'origine, comme je disais, on va recomparer par rapport à ceux-là. Alors, vu que pour la vidéo, on va prendre le côté... c'est pas de bol, c'est pas le bon côté. Bon, bien sûr, avec mes doigts, je les ai tous salis déjà. Alors, normalement, dessus, il y a une espèce de plastique. Plastique de protection. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Mettre à genoux, deux doigts, donc vraiment c'est pas mal du tout, franchement on est pas mal, niveau poids je dirais que c'est un peu pareil, et ça a l'air aussi d'être de la bonne qualité quand même, après avoir dans le temps, si ça tient aussi longtemps, là, on va essayer de la mettre, pour voir ce que ça dit, ah oui, les bouchons, j'ai bien fait de prendre les vis à mettre parce que j'en avais pas, c'est con qu'ils sont pas noirs, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. On fera avec, sinon au cas où, genre, elle reprendrait des noirs quand ils seront disponibles, et ceux-là, ils iront sur l'autre, l'autre machine. Alors. Pourquoi j'arrive pas à le viser ? Il vise, bon, il doit y aller. Il manquait plus que le patch soit pas le même. C'est vrai, en noir ça aurait été mieux quand même. Bon, je recommanderais des noirs, c'est pas grave. Je crois qu'ils ont des noirs avec l'insigne Motobacon, il me semble. Ah ben voilà, magnifique. Ah écoutez, il n'y a pas photo entre les deux. Carrément, je préfère comme ça. Nickel. Alors, le bouchon de réservoir, lui, bon, c'est juste parce que j'en ai pas, et puis bah forcément, la merde elle va dedans. Enfin, j'ai pas envie que la merde elle va, donc on le met. Nickel. Oui, il faut juste mettre un peu de. Ouais. Ah oui, comme ça. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et ben, ça le rend pas mal. Regardez-moi ça, c'est tout beau, tout neuf. Donc là, il me manque le pédalier, j'en ai un. La chaîne, je l'ai. Le pneu, enfin, il me faut une jante. Je crois que j'ai une jante avant, je suis plus sûr. Pneu, chambre à air, faut que j'achète parce que je crois que j'en ai pas. Moteur, il est, vous l'avez vu tout à l'heure, il est en cours de remontage. Il me manque ici un machin chromé comme ça, avec l'insigne mobilette, voilà. Bon après je vais la nettoyer, là elle est vraiment, elle est sale, je vais la nettoyer toute belle, je vais pas la repeindre, je vais la laisser telle quelle, parce qu'elle elle rend bien, mais je vais bien la nettoyer tout, qu'elle soit toute belle, quoi. Ça c'est la vis de l'autre côté, mais voilà quoi, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là après, prochain objectif. Donc voilà, pour les cages de boîte à outils, ça va nickel, donc maintenant mes moteurs, je vais attaquer, bon vu que j'ai pas le moteur, malheureusement, je sais pas où il est, de la 68, bah je vais attaquer la 79, je vais remonter la 69 pour la faire démarrer. Donc ouais, je vais remonter la 69 pour la faire démarrer, et comme ça, je vous ferai une vidéo de démarrage si elle démarre, parce que celle-là, elle a pas tourné depuis très très longtemps. Si ça démarre, normalement, il y a aucune raison, elle doit partir. Et il me manque juste, sur la 79, il doit manquer, ben je sais, ah il manque les carters aussi. Enfin c'est pas encore les mêmes que la 90, c'est des carters totalement différents. J'en ai sur l'autre là-haut, mais voilà. Il me manque, bon, il y a tout le système électrique, tout ça à refaire, mais je vois au moins qu'elle démarre déjà, ça sera pas mal. Et voilà, il y a aussi ça, ça, c'est pour ceux qui connaissent, la culasse, les pièces du Massey. Du Massey Ferguson, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la vidéo. J'ai reçu les pièces, faut que je le remonte, mais le problème, faut que je trouve 5 minutes pour le faire. Enfin, 5 minutes, on va dire, une bonne grosse journée, quoi, une bonne grosse après-midi, on va prendre large. Voilà. Donc, allez, bon, sur ce, pour cette petite vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais aller remonter la 79. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le remontage, je verrai, parce que bon, même si je ne fais pas 79, on pourra faire sur la 68 ou sur la 46. Ou même sur la M11. C'est vrai que j'ai une M11, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, j'ai même mis une photo, j'ai acheté une M11, elle est là. J'ai acheté ça 70 euros ou 80 balles, je crois. Elle est complète, elle est magnifique, mais voilà, je suis en train de refaire le moteur parce qu'il était bloqué et je suis en train de changer le cylindre, le piston, tout ça. Mais elle devrait bientôt repartir aussi. Mais ça, je vous présenterai ça très bientôt. Donc, allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!